step into the place inside your mind. Let yourself fall before you get behind. When your heart's been frozen, your dreams are stolen. Now we are so open. You say you never fall, that you can never get through this alone. You're fighting, you stand up tall. One day you will get through. Alone.
Ok. Copains et copines, bonjour à tous, on est mardi. Ok, on est parti, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est mardi matin, et ça fait plaisir, il est 9h, APK sur du 44, bonjour à toi, bonjour à tous les copains et les copines, on est parti sur The Last Country V5, let's go, on perd pas de temps, on est parti avec Karl Braun, on en a 40$, objectif 50$, ce serait parfait, et allez. Touk touk. Ok, tout va bien. Ça fait longtemps que tu as fait un nouveau perso. Depuis, ça fait une semaine. Ouais, une semaine que c'est la V5 qui est arrivée. Donc, on a été obligé de refaire un nouveau personnage. Donc, ouais, ça fait une petite semaine. Ouais, un peu plus d'une semaine. Je crois que c'était vendredi. Pas vendredi dernier, vendredi d'avant. Ouais, une semaine et demie en gros. Ok, on est tout bon, on a tout ce qu'il faut. Ok, sur nous. On est bon. Ah. Et là, le problème maintenant que je vais avoir. C'est que... Putain. Pourquoi je... Ouais. Le problème que je vais avoir, c'est que j'ai trop de poids. Parce que la viande qu'on a...
combien j'ai là-dedans. Ok. Putain. En fait, j'ai maintenant, on a ultra du poids avec la viande qu'on nous file. Putain. Donc, I76, comment ça va? On va essayer de trouver un saloon, mais ça va être, là ce matin, ça va être difficile de trouver un saloon. On va prendre ça. Je sais plus quoi faire. Lâche-moi. Car, stockage. On va mettre ça là-dedans. Attendez, on essaie de se vider un peu, nickel. Et... De retour sur Red Dead. Ouais, sur RP, en RP sur PC, ouais. On va vider ça. Ça, tout. Il me reste 5 kilos. J'ai 17 kilos de viande. Regardez ce bordel. Merci. On va monter au camp, on va aller se vider un peu des trucs au camp. On va faire déjà, on va en faire cuire 4 ou 5 déjà. Parce que bon, là, j'ai envie de dire, trouver un salon pour le matin comme ça, autant les... se toucher quoi, non? Bien. Difficile. Je réfléchis à ce que je fais, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Chipolata, comment ça va? Bonjour à toi. Remplir seau d'eau.
Wanna give a girl some company? Oh well, you just suit yourself. Mais mes sauts, ils sont dans le cheval. Less of a talker, oui. More of a doer, are ya? Ok. Alors attendez. Ok. Ok, là j'ai plus d'eau. Ça, je vais pouvoir la remplir. Parfait. On boit une rasade et on y va. You change your mind, you let me know. Remplir gourde. On est bon. La gourde est remplie, on est bon. On est parti. On va aller cuisiner 2-3 trucs. Kevin MC, bonjour à toi, comment ça va? Ah mais c'est Monsieur Rurik. Ok, j'ai... viande de gibier, hein, on va en faire... Comment ça va, mon copain? Oh putain. OK. On en fait que deux, ouais, c'est bien. Deux, on va pas en faire trop.
On verra aujourd'hui, alors c'est pas ce matin, ce sera cet après, mais on va essayer de voir si on peut revendre ce gibier ou pas. Parce que ça va être une autre question. Est-ce que les saloons vont racheter la viande de gibier? Parce que quand je vois déjà le tas que j'ai... Et vu que le poids que ça fait... Et on va ouais, monter, on va essayer de monter au camp là-haut, on va essayer de poser quelque chose. On va essayer de poser des affaires là parce que je suis blindé, je sais plus où en foutre là. Alors, on va remonter au camp. Nous, on a fini notre camp, barricadé, etc. Ouais, bah, moi, écoute, je vais pas te mentir. Là, je commence à être difficile pour. Alors, là, je suis dans une période difficile depuis hier, là. Hier soir, j'ai joué un peu en off pour voir ce que je faisais, ce que je pouvais gagner en farmant vraiment fort de l'heure. C'est 1$ de l'heure en gros. Ça commence à devenir très difficile. C'est cool, c'est tranquille. Et vous pouvez, mes amis, beaucoup d'items dans un camp? Comment vous avez fait? Vous avez regroupé vos trois camps pour mettre plus d'items? Je sais pas du tout comment ça marche, les camps. Là, moi, je vais y aller, là. Claude T60 Obi-Wan, putain T68 Obi-Wan Kenobi, comment ça va mon copain? Excuse-moi, je suis vraiment la tête dans le cul ce matin. Charrette, table de craft, grand feu et barricade. D'accord, ce Chris Mou, comment il va? Ah c'est cool. Vous avez une table de craft et tout, vous avez mis? Putain, c'est classe ça. Hein. C'est l'heure du café, chat. C'est l'heure du café, chat. On chasse un peu sans trop chasser, hein, je vous dis franchement.
C'est l'heure. Qui veut du café? Je pense que les écureuils, ça donne plus rien. Voilà. Non, pas une corneille. Les canards. Putain, allez, va te faire foutre. Pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis désolé, mais ça me fatigue. Tellement, il n'y a plus rien qui vaut rien dans ce... Ah, Nick, pardon. Ah. Alors. J'ai plus de vassaux, moi. Eh mais de toute façon, ça sert plus à rien de buter des wapiti, parce que si t'as pas la macharette, barrez-vous les wapitous. Donc. Parce que là, chat, on est dans un truc, vous comprenez pas ce que je vais vous dire. Stockage. J'ai des sous.
Ah, je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah, rien. Juste de la déco. D'accord. C'est pas grave. Voilà. Ça. Là, 4, j'ai 27 kilos de viande. Je vends ça aujourd'hui. Hein. Pas à chier, chat. Hein. 27 kilos de viande. J'espère qu'on ne va pas nous racheter ça 2 cents et demi parce que ça va yèche. Ce qu'on fait, hein, fait... Ah merde. Salut automatique, ça, je pense. Hein. Ok. Ah non. Bon, regardez ce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire, les lampes. Je vais les mettre dans le coffre. Il manquerait plus que je me fasse torpiller mon coffre. Finir, en fait. Beauté. Voilà. C'est parti. Je sais pas combien on peut mettre d'items.
Alors. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu deux secondes, deux femmes. Ça, non. Je sais que j'ai vu ça. Sauge rouge à sépia d'Achille, 5 américains, 5 Alaska. Miel. Bon bah allez, on va essayer de trouver un peu de trucs. Parce que de toute façon, je pense que là, la chasse, je vais pas vous mentir, chat, je pense que c'est terminé. On va pas... on s'en sortira jamais. À moins qu'on arrive à revendre la viande, mais j'ai un peu peur que ça va être difficile de revendre autant de viande. On va voir. Ça fait beaucoup quand même, je trouve, beaucoup de gibier. Alors je sais pas ce que ça... parce que je me rappelle des recettes de saloon, ça consommait pas grand chose. Être intéressant en fait, c'est juste ça quoi, les dindes. Putain. On va la faire à l'arrache. Parce que j'ai dit que j'avais combien de... parce que combien ils vont reprendre le gibier, ça... combien j'en ai? 90. Je me rends compte qu'ils le reprennent... en 4 cents, hein, s'ils le reprennent pas, s'ils reprennent pas 4 cents la viande... c'est mort, hein. Minimum. Saloon de Rose, ils reprennent 004. C'est ça, mais c'est le minimum 004. En fait, ils reprennent ce que le boucher prenait avant, que... c'est vraiment, vraiment le minimum. Hein. Tu peux pas prendre moins. Hein. Sinon, on ne vit plus. Hein. Enfin, moi, je vis plus, en tout cas. Hein. C'est clair et net. Hein. Et il faut qu'ils reprennent, hein, parce que... je sais pas ce qu'ils vont en faire, hein, de toute cette viande. Hein. J'espère qu'ils vont... parce que si, en plus, ils arrivent... et si, disons, là, aujourd'hui, j'arrive et qu'on me dit « Bah non, on n'en reprend pas parce qu'on en a trop. » Ah oui, mais ça aussi, alors maintenant, ça marche plus. Bon. Bref. Je sais pas. Parce que c'est pareil pour les plantes, quoi. Les bois. Ça pèse tellement lourd, les plantes. Tellement, tellement lourd que... c'est des voix, qu'est-ce que je passe avec cette merde. Oh, allez, vas-y, là, oh. Nick. Ça pèse tellement lourd
que les plantes, mais putain. Oh. Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va pas pouvoir les stocker 10 ans, quoi. Bardane. Putain. Parce que j'ai déjà tout donné à Rhodes, tout ce que j'avais en plantes, parce que ça me pesait tellement lourd que j'avais même plus quoi en foutre. Je leur ai demandé s'ils en rachetaient. Ils savaient pas trop. J'ai dit, bah écoutez, je vous dis donne ou j'y jette à la poubelle, hein. Donc c'est là où c'est déjà triste parce que en fait tu t'aperçois que en fait déjà là les plantes ça sert un peu rien à ramasser parce que les saloons en ont déjà donc bien assez. Donc après en fait on n'est pas des coffres sur pattes hein. Les plantes ça va, j'ai trouvé le pilon. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui trouve plus le pilon ici. Je suis la merde du pays. Ça me gave. Je pense qu'en fait c'est en train. C'est pas non. Enfin bon. Et de Golterie couché. Ok. Personnage violet. Carotte égale ranch et sur fleur de vanille, salou, traîne et charbon armurier pour les trains. Ouais, je suis d'accord avec toi, le ch'ti. Mais si toi tu le fais, l'autre qui passe derrière, il ne peut rien faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même histoire. C'est qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est en fait, ça m'énerve parce que je comprends, j'arrive pas à vous faire comprendre qu'on ne peut pas être 5 ou 6 à faire la même chose. Ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas. Ça marcherait encore avec l'ancien système de plantes. Mais là, avec le système de plantes qu'ils ont mis, t'as vu la quantité qu'il y a. Bon, je veux dire, en une journée, tu as rempli les saloons, t'arrives derrière, l'autre, il en veut plus. Et nous, on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas se permettre de stocker nos poches pleines de trucs qu'on va jeter dans une poubelle. Et courir à travers les villes pour tout jeter dans une poubelle. Il arrive un moment, on n'est pas des coffres sur pattes et se prendre des portes à tous les sens. Enfin, je veux dire, il faut comprendre. Ouais, mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Si on est 150 le soir, 200, si un mec dans l'Est et un mec dans l'Ouest réapprovisionne tout, les autres ils font quoi? C'est ce qui est impressionnant, c'est ce que personne ne veut comprendre. Après, moi, me battre avec toi ou avec quelqu'un d'autre pour être le premier à faire des plantes, c'est bon, j'ai autre chose à branler quoi. Je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour commencer à me faire de la guéguerre. Enfin, ça devient frustrant en fait, à force. À celui qui va se lever le plus tôt le matin, à celui qui va arriver le premier au saloon pour aller livrer, ah, c'est bon, eh oh, chose à branler de ma vie, moi. Le problème, il est là, c'est qu'une seule personne, aujourd'hui, avec tout ce qu'il va y avoir comme... Attendez, je reviens, j'arrive.
Don't be dawdling too close. What the hell is your problem? Thank you.
Ah pardon, excusez-moi. 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 7$ avec la nouvelle technique de chasse. 7$ par quoi? Non, c'est excusez-moi, c'est moi qui avais... je disais que... Pardon, excusez-moi, que la charrette, ça coûtait 20$ que ça allait. Et moi, j'ai regardé hier, je fais du 1,20$ de l'heure. Avec la chasse. Et en faisant de la chasse intensive, quoi. $7 avec la nouvelle technique de chasse. Mais $7 en combien de temps? Oh, c'est vrai qu'il y a ça. En tout, pour une charrette semi-remplie. Une charrette. Une charrette de... Ah oui, mais pas de 35. Pff, je comprends plus rien. Ah, bref. Moi, j'ai fait une charrette de 35... Ah oui, si je vends ma viande, c'est bon. Ça fait 4, ça doit me faire 4, 5, 6, 7. Ça doit me faire $7 avec une chasse-arrête de 35 si je vends mes viandes. Si j'arrive à vendre mes viandes. Je dis si j'arrive. Ah, voilà, en vendant tout. Parce que sans vendre le gibier, j'ai rien foutu. Sans vendre le gibier, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Tu fais que dalle. À coup d'une plume par oiseau et d'une petite peau par rat musqué. Donc c'est à grand coût de 4 centimes, enfin 0,0 et 4 centimes. Pff, tu fais rien. Tu passes des heures et des heures à faire exactement la même chose. Cet après-midi, j'arriverai un peu plus tard. On finira un peu plus tard parce que j'ai un petit rendez-vous à 14h30. Je pense que j'arriverai après. Je sais pas comment je vais faire. Ou est-ce que je démarrerai comme d'hab et puis je vous mettrai un reportage pendant que je pars vite à mon rendez-vous. J'en sais rien. Et cet après-midi, j'ai envie d'essayer de... Bah, de voir si j'arrive à vendre ces viandes et ces plantes, hein. Sérieusement, hein. En jour 2, voir si c'est faisable. Si ça se vend, c'est bon. Si au jour 2, déjà, t'arrives plus à y vendre. Pff. Moi je chasse le gibier en parfait état. Ouais, mais t'as pas besoin que ce soit en parfait état, Kevin. Tu butes un rat musqué, il est repris 0,07. Et il te met une petite peau à 0,4 par-dessus. Voilà. Plus une viande. Voilà. Voilà, l'agence immobilière, j'en sais rien. Pourquoi on est passé à 300 là? Oula. Ouais, l'agence immobilière toujours fermée. Euh,
Parce que tu prends, tu butes des rats musqués, ça te fait 0,6 ou 0,7 plus 4. C'est 11 centimes, l'animal. Plus la viande. Enfin bon. C'est horrible. Moi, je suis plus en train de me dire que je vais même plus récolter les cadavres, je vais les laisser traîner, je vais juste récolter les petites peaux et les plumes, et puis les vendre, hein. C'est tout, hein. Parce qu'à 1,50$, le kit de réparation de charrette, ça... Enfin, Parce que le gibier, tu le chasses comment, Rurik? Avec ton chariot, ou tu fais spawn ton chariot à chaque fois que tu attrapes un gibier? Donc tu cours derrière avec ton chariot. Non, l'agence immobilière, il n'y a rien. C'est pareil. J'aimerais connaître ce prix de ce truc, là. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, bon allez, j'en ai marre déjà.
C'est assez calme à YouTube le matin. Oh là là, ça me tue. Ça me tue, c'est trop calme. Oh. Je sais pas si je vais avoir la force de tenir sur YouTube pour revenir comme avant, je vous le dis. On va aller faire un peu de pierre. On va aller vendre ce qu'on a sur sur nous. Hello. Oh, how do you do? I do. Hello. Hey, partner. Ouais bah. On va aller là. Vite fait, bien fait. Parti. Je vais me faire un petit thé en attendant. Temps de réfléchir à ce comment je vais faire cet après-midi. Jamais joué en RP. Agronautes, bonjour à toi. Je profite pour te remercier pour toutes les fois. Les petites vidéos me démêlent sur le online. De rien, avec plaisir.
Avec plaisir. Si ça t'aide. C'est le principal. Allez, go, accélère. Je vais faire monter, j'arrive tout de suite. Ok. Et ils reprennent combien les plantes là? Je regarde les saloons et tout. Putain, 4 centimes la viande, je sais qu'il leur faut 2 viandes de gibier et je crois... 2 viandes de gibier et une plante, si je dis pas de conneries, pour faire un ragoût.
si je me rappelle bien, je pourrais aller revérifier ça. Et c'est deux viandes de gibier, c'est sûr. Ça ferait du 8 centimes. Putain, revendu, ils revendent ça. Combien ils revendent de ragoût? Centimes vente de ragoût. Ah, quand même. Bonjour, bonjour, bonjour. Bande de nazes. Je fais ce que je veux.
On est sur le bon serveur là. Je suis sur le bon serveur, chat, ou... J'ai l'impression de pas avoir de poubs. Attendez, on refait un... J'ai l'impression de pas être bien là. Parce que déjà je voyais 300, ça me trouvait, je trouvais ça bizarre. Ouais, le serveur est vide le matin, ouais. Ouais, ouais. Ouais, après, c'est un... déjà que l'après-midi c'est limite, le matin c'était sûr. Hein. Après, il est vide, il est vide. Il y a quand même plus de monde que sur Red Dead Online quand même, hein, j'en ai regardé. Mais c'est vide, ouais, c'est calme. Non mais je pense que je vais me trouver un petit boulot hein, au pire. Hein. Et le matin j'irai travailler quelque part. Hein. C'est tout hein. Ça me fait chier mais... Ah pff, j'en sais rien. Ça me fait chier parce que je vois pas ce que je vais foutre. Non non en fait non. Je reste comme ça. Bon, si le matin c'est trop calme, autre chose que du RP. Hein. Des poubs ou pas là? Ah oui. Je pensais que j'allais dans un serveur qui était pas correct. Très bien. Ah mais non, faut que je les polisse mes pierres. Moi. Bien le bonjour. Ah. Framboise. Orchidée, tête de bélier et mûre. On va prendre ça. Commence déjà à avoir des plantes dans les poubelles. Pas bien, pas bien, pas bien. Ça fait pas plaisir. Y'a quelqu'un dedans. Ah, eh ouais, je vous ai fait tous peur, bande de cons. T'as pas jeté toutes les pierres hier matin? Non, non, j'avais pas. Je les ai. Je vais les polir là, on va les polir et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va pas les casser parce que pour l'instant, de toute façon, il n'y a plus rien à récolter dedans, pas grand chose. On va juste les polir et les faire cuire. Et on va les stocker comme ça et on les recassera quand ça vaudra le coup. Parce que là, j'ai l'impression que ça sert à rien.
On va juste les polir comme ça, ça avance. Là, j'en ai 6. On va le faire. Déjà, elle pèse moins lourd. Comme ça, elle sera juste à les casser, mais quand ça sera réglé, parce que pour l'instant, là, ça a été nerfé, on trouve plus rien dedans, pratiquement. Non, ça vaut pas le coup. Hier soir, ils cherchent tous des plantes. Non, mais c'est ça, Chris Moon. Non, mais c'était écrit, hein. Hier après-midi, j'étais râleux. Mais... En fait, hier après-midi, je comprends que ça faisait chier de me voir râler. Mais en fait, je m'attendais à ce qui se passe. Là, aujourd'hui, je suis pas surpris. C'est pour ça que là, je vais voir si cet après-midi, ou enfin aujourd'hui, on va pouvoir vendre les plantes et vendre la viande. Si on peut rien vendre, c'est niqué, quoi. Hey, you. You ain't supposed to be here. Si je fais cuire des plantes, trou duc. Putain, vas-y, putain, mais dégage. Mais. Dégage. Putain. Merci. C'est moi tranquille. J'ai tout coupé. T'as tout coupé quoi? Ah, parce que tu les voyais chercher des plantes dans tous les sens? Bonjour monsieur. Dites-moi, cher monsieur, oui. Petite question à poser à vous. Oui. Est-ce que vous savoir où est-ce que réparer matériel? Oui. Juste à côté de la gare, monsieur. À côté de gare Valentine? Oui. Eh oui. Ah, il y a donc. Ouais. Parce que moi, je cherchais partout, pas trouvé sur petite. Si, regardez. Là, vous allez sur la gare Valentine, vous avez une petite. Hop, regardez, hop, c'est marqué une petite main, c'est marqué réparation d'outils. Non, on va chercher petit outil, c'est pour ça. Ah, y'a, d'accord. Ah oui, effectivement. Ah, vous êtes... Ah bah, heureusement que moi, demandez à vous. Oui, vous avez un drôle d'accent. Vous avez une drôle de façon de parler, monsieur, c'est incroyable. Ah, non, pas du tout, je suis d'Allemagne. Ah oui, donc vous êtes... Oui, j'ai cru que vous étiez un natif allemand, même, presque. Ah, y'a, être possible. Ouais, incroyable. Oui. Vous moquez, c'est pas... Ah non, mais je me moque pas, mais c'est original, dites-moi. Ah, y'a, de l'originalité dans ce moment. Oui, moi je suis à la recherche de plus et de choses curieuses, et je crois que je suis tombé sur quelque chose d'assez curieux aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, moi, pas être à vendre. Ah, d'accord. Non. Vous recherchez quelque chose en particulier? Ou des objets étranges, si vous avez ça, des petits trucs étranges, des petits trucs qui peuvent attirer la curiosité, des fois... Qu'est-ce que vous dire par objet étrange? Oh bah tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Tant que voilà, si un jour vous tombez sur quelque chose et que vous trouvez ça étrange ou que vous voulez même vous en séparer parce que vous n'en voulez plus. Bon, sauf bien sûr des plantes et de la viande, hein, je vous dis tout de suite. Oui, bien sûr. Ah, bah écoutez, non, pour l'instant rien à voir à part une pelle. Oui. Avoir trouvé une pelle dans poubelle d'ailleurs, pas savoir pourquoi. Alors oui, alors votre pelle dans votre petite sacoche, parce qu'en fait, est-ce qu'elle est usée ou est-ce qu'elle n'est pas usée? Ah non, pas usée. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, peut-être un tout petit peu, mais juste légèrement. D'accord, ok. Bon. Pour ça, étrange, trouver une pelle dans poubelle. Oui, on trouve tout. Là, les poubelles, c'est presque mieux qu'une mine d'or, une poubelle, oui. Il y a effectivement, quand c'est à vous chercher, oui. Eh bien, écoutez, très bien. Mais oui, vous avez tout là-bas pour réparer. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je vais être dans le coin un petit moment. Et puis voilà. Ah, d'accord. Bah, j'ai fait aller voir. Et puis après, je sais pas, faire peut-être petit tour. Oui, vous venez d'arriver dans le pays?
Je suis arrivé de Allemagne il y a 4 jours. Ah oui, d'accord. Vous avez pas trouvé, vous avez pas de petit métier, rien du tout? Ah non, ça va être compliqué. À chaque fois que moi je cherchais travail, dire non, pas argent, ou alors être complet, ou machine pas marché. Oui, d'accord. Alors, très très compliqué. Oui, d'accord, ok. Moi avoir été aussi, avoir avec autorité supérieure pour faire petite entreprise, mais être pas possible. Oui, oui, d'accord, oui. Il y a le chiffonnier, je sais, qui a à reprendre en entreprise, oui. Ouais, y a, mais pas être intéressé par entreprise disponible. D'accord, oui. Bon, bah tant pis, hein, moi attendre. Ouais. Et c'est vrai que là, être un petit peu compliqué. Oui, c'était... En fait, vous me rassurez dans ce que je vois et ce que je pense. Oui, c'est compliqué pour trouver du travail, oui. Y a, parce que essayer de vendre petites plantes à droite à gauche, mais pareil, pas salaud de ne pas avoir argent pour acheter, donc pas acheter. D'accord. Et puis que vu que maintenant, tout le monde pouvoir chercher petites plantes et revendre. Oui. Ça a augmenté taux de difficulté. D'accord, alors ça, voilà, j'ai pas essayé, je me suis dit aujourd'hui je vais quand même prendre quelques petites plantes, et puis alors j'ai une tonne de viande, je sais pas quoi en foutre. Ah, moi, pareil. Et j'ai dit, est-ce que on va nous les racheter ou est-ce qu'on va se retrouver avec ça sur les bras à jeter ça dans les poubelles? Alors, moi, pas vouloir vous faire peur, hein, mais vous voyez, moi, être cueilleur de médecins prioritaires. Oui. Eux acheter 15 cents petites plantes et depuis hier acheter 0,02 cents. Ah oui, non. Donc. Ouais, non, mais ouais, enfin bon. Ouais. Je sais pas si vous voir ou moi vouloir en venir, mais. Ouais, on est des coffres en fait, on est des petits coffres sur pattes en fait, c'est ça? Ouais. En gros, c'est un peu ça. En plus, être bloqué parce que capacité de poche est oui. Pas très grande. Hein. Oui, donc en fait, on stocke et on attend que pour nous donner. Y avoir un serpent. Oui, alors là, le buté. Bah, vous allez bien? Oui, bon, de toute façon. Ça va pas être serpent dangereux. Non, puis bon. À 2 centimes la plante, je peux vous dire que je suis pas là d'aller payer 2$ la consultation, je vous le dis. D'ailleurs, moi, avoir parlé avec eux, eux, sûrement baisser frais de médicaments. Ah, ben oui, même beaucoup, là. Non, oui. Donc, en fait, vous êtes en train de me rassurer sur ce que je pensais, c'est qu'en fait, ça va être très difficile de revendre des plantes parce que tout le monde en a, et très difficile de revendre de la viande parce que tout le monde en a. Exactement. Et donc en fait, très difficile de trouver du travail parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc en fait, comment on fait nous là? Moi, pas vous cacher que là, me demander si moi sortir de chambre d'hôtel ou pas. Et puis j'ai dit bon, allez, je vais faire petit tour. Mais là, être un petit peu bloqué parce que pas pouvoir prendre entrepôt parce que réservé à entreprise. Oui, aussi, oui. Cheval est trop cher pour l'instant. Oui. Pas pouvoir avoir de travail pour l'instant, donc pas acheter cheval. Oui. Tourner en rond. Oui. Ce qu'on disait, c'est que chercher petite plante, ça d'accord, mais après poche trop lourde, et puis tu pourras rien faire. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait déjà, alors parce que je surveille un peu les poubelles pour connaître la tendance du pays, parce que ça quand même, je voyais que déjà devant le saloon, il y avait des plantes déjà dans la poubelle, donc déjà quand on commence Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait pas rigoler en fait ça me fait rigoler, mais c'est nerveux, je crois. Et encore, vous pas être au courant de tout, parce que avant, il y a 2-3 jours de ça, il y a voir que peut-être dizaines de plantes. Oui. Et que maintenant, il y a voir beaucoup plus. Ah, mais si, non, mais je suis au courant, mais c'est bien pour ça que ça me fait peur. C'est parce qu'en fait, hier, je me suis aperçu dans la journée que la chasse avait changé, que la cueillette avait changé, mais je me suis dit, super, c'est beaucoup plus. Enfin, ça va être beaucoup plus simple pour trouver des plantes, mais le problème qu'il y a, c'est que tout le monde va stocker comme des malades, et puis, nous, les civils, on ne sert plus à rien au milieu. Alors que je trouvais que quand c'était très rare, les civils se bougeaient les fesses pour parcourir la map, enfin parcourir pardon, le pays pour trouver des petites plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Là maintenant, on ne sert plus à que dalle, quoi, encore une fois de plus. Et quand j'ai vu les plantes pousser hier en début d'après-midi,
On va dire que j'étais un peu râleur. Et en fait, aujourd'hui, en me réveillant, je me suis dit, je vais quand même aller tâter la température pour voir. Mais là, vous êtes en train de me confirmer mes pensées d'hier. Et ça n'a pas mis plus d'une journée pour arriver, quoi. Yeah, voilà, exactement. Et comme avoir dit à donc patron de médecin, le problème y avoir aussi, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde à voir plante, entreprise, a pu racheter, forcément. Mm-hmm. Donc, nous, faire comment alors? Vendre à qui? On va rien vendre à personne et on n'achètera rien à personne. Yeah, voilà, mettre plante dans poubelle et puis survivre. Oui. Parce que si entreprise pas recruter personnel, là ça va être très compliqué. Je comprends pas pourquoi ces plantes se sont mis à pousser, c'était très bien avant. Il n'y a pas à savoir, là... La chasse, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Avant, pouvoir dépecer sur place, maintenant, emmener bestioles à boucher. Oui, donc les chariots, je peux vous dire qu'ils tombent du ciel dans tous les sens. On ne sait pas comment ils font pour arriver, mais ils arrivent, ils tombent du ciel, et hop, ils disparaissent, ils réapparaissent, ils disparaissent. Enfin bon, c'est magnifique. Non, mais ça va être vrai. C'était incroyable, alors que je trouvais qu'avant, c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus... Enfin bon. Plus simple, oui. Oui, enfin... je sais pas qui c'est qui a eu. Enfin bon, les idées à hier, il aurait mieux fallu de se casser une jambe, j'ai l'impression. Il y a peut-être un peu, oui. Mais là, pour vous et moi, là, c'est en tant que civil, être très 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 compliqué. Oui, oui. Oui. Je sais pas où tout ça nous menait, mais. Je sais pas si vous avoir essayé de mettre argent dans banque. Ah non. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai un peu rêvé de ce pays une petite semaine avant, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et dans mes rêves, c'était peut-être un peu prémonitoire. J'avais rêvé que la banque, le banquier était un peu gourmand. Disons que si vous mettez argent, lui prend argent. Si vous retirez argent, lui prend argent. Oui. Donc, si vous mettez $30, et vous repartir, mais pas avec $30. Mmh. Oui. Déjà que être dur, avoir argent, alors... Oui. Alors, par contre, 2 centimes la plante, et on m'a dit que ça sera acheté 4 centimes la viande, ce qui fait que pour faire un ragoût, il faut 2 morceaux de viande et je crois 2 plantes, si je dis pas de bêtises. Alors là, pas savoir. Donc ça fait 8 et 4, 12 centimes. Et eux vendent 30 centimes. Oui, parfait. Parfait. Il y a être exactement ça. Oui. Là c'est pas évident. Et alors là, je peux vous dire qu'à 30 centimes le ragoût, vu ce que j'ai gagné en 2 heures de chasse là... je pense que la viande de gibier, au lieu de la revendre, je vais la faire cuire. Hein, ça sera bien mieux. De toute façon, moi pour l'instant, personne n'a trouvé pour racheter viande. Parce que vu que chasse, tout le monde pouvoir faire, eux, du coup, pas besoin de racheter. Oui, non mais voilà, ouais. Donc en fait, là, moi dans mon cheval, je crois que j'ai, je sais plus combien de kilos, j'ai 89 morceaux de viande, je sais pas quoi en faire. Ah oui, d'accord, en effet, oui. Ouais. Donc alors en fait, ce qu'il faut faire maintenant pour chasser, fait quoi, on laisse les cadavres au sol? Enfin, je sais même pas ce qu'on fait. Enfin. Pas savoir non plus. Hein. Là, ce que chasse, pas être très 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 rentable, racheter 0,03 cents. Mm-hmm. Bonjour, monsieur. Ouais, là, j'ai pas. Non. J'ai pas d'idée non plus, et je vais pas vous mentir que hier j'étais un peu chafouin. Dans le même cas. Je me suis dit, fais une petite pause, va te reposer, demain ça ira mieux. Là j'arrive, en fait, je reçus pas chafouin, mais ce que je pensais hier, en fait, c'est déjà là. Donc, Moi être un petit peu indécis. Qu'est-ce que je vais foutre? Je suis dans le même problème que vous, hein, comme j'avais dit à vous. C'est que moi, me demander si venir, réveiller de hôtel, mais pas savoir trop trop quoi faire, parce que vu que pas grand monde à cette heure-ci,
Si moi avoir poche pleine, être obligé d'attendre jusqu'à ce soir qu'il y ait monde et espérer racheter. Oui, c'est ça. C'est... En fait, il est là le truc. C'est qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire de tout ça. Et avec un peu de chance... Alors, c'est ce que je reproche un petit peu. C'est ce que depuis le début, parce que je me battais un peu avec toutes les entreprises. Enfin, pas me battre, mais bon, j'ai expliqué. Mettez-nous des petites affiches pour savoir de quoi vous avez besoin, qu'on sache de quoi aller chercher. Parce qu'on ne peut pas deviner ce que vous avez besoin et on ne va pas traverser tout le pays avec les poches pleines en se disant « On arrive, bonjour, vous avez besoin de ça ?» Non, on n'a pas... On n'a pas des tenues de soubrette, quoi, j'ai envie de dire. Donc, et là, ça va être encore la même chose. On est en train de stocker, tout en ne sachant pas quoi en faire, en se disant, bah, peut-être qu'en fait, on stocke pour rien. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, si notre temps sert à quelque chose ou si ça servira à rien, en fait. Et puis, en plus, là, être encore plus compliqué, puisque tout le monde pouvoir revendre petites plantes... Donc, vu qu'il y a beaucoup de plantes... Oui, oui, non, mais là, c'est, les plantes, c'est trop. C'est trop. Vous dire que, comment dire, moi, avoir cherché pendant très longtemps la première plante... Ah oui, mais j'imagine. Avant d'avoir premier point, déjà avoir passé beaucoup de temps, une fois qu'avoir trouvé, plante avoir changé... Oui, non, mais moi, je sais que j'ai pas vendu, j'étais venu les donner, ils me les ont achetés, les médecins, des asépiades, j'étais tombé dessus, mais vraiment par hasard, hein, parce que c'était, à trouver des plantes, c'était incroyable. Alors, oui, c'était incroyablement difficile, mais c'était incroyablement intéressant. Ah, effectivement. Et puis voilà, oui, moi je sais que j'en avais donné un peu d'acépiade, ils me les avaient repris 15 cents, j'avais dit, c'est quand même bien, quoi, 15 cents, en plus, vu qu'on ne pouvait pas en avoir beaucoup, ça permettait que ça pouvait faire vivre plusieurs civils, parce que, on ne pouvait pas en cueillir 50 d'un coup. Oui. Ça en permettait de ne pas être obligé non plus d'en prendre non plus des millions, parce que c'était bien payé. Et là, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir ? Le premier qui va ramener une tonne de plantes, et puis comme ça, tous les autres derrière, ils peuvent tout arrêter, quoi. Donc, en fait... Ça va être le cas. Une fois que... parce que là, en fait, toute nouvelle entreprise va avoir un nouveau coffre, plus grande capacité. Mm-hmm. Sauf que capacité, même si être 500 kilos, au bout d'un moment, eux, pu acheter et être normal. Oui. Non, il va falloir attendre que ces messieurs dames disent « on a besoin de ça pour qu'on se mette à cueillir ». Et puis entre-temps, il faut qu'en fait, on fait une pause et on attend, quoi. C'est être ça. Qu'en fait, on va être à la merci. En fait, il va falloir qu'on attende de... Oui, voilà. Quand ces messieurs dames auront besoin de plantes, on pourra faire quelque chose. Quand ces messieurs dames auront besoin de viande, on pourra faire quelque chose. Et encore, ça sera le premier arrivé, hein, premier servi, bien sûr, hein. Et puis après, sinon, en fait, on attend, on tourne en rond, on attend, quoi. Voilà, être ça. Alors après, moi, être d'accord sur le principe que toutes les personnes qui être dans le pays, être là pour la même chose, sociale. Mais devoir avoir quand même un petit peu d'argent pour se déplacer, parce que... Oui, écoutez, le social, et je suis désolé, monsieur, je suis là depuis le début là, d'arrivée dans le pays, le social était difficile, et pourtant j'en ai fait du social, mais c'était difficile, la première semaine, tout le monde balayait, qui sont bien gentils, en fait, je pense que c'est plutôt, tout le monde est en train de regarder l'autre ce qu'il gagne, pour aller pleurnicher, dire regardez ce qu'ils gagnent eux, c'est pas normal, nous on n'avance pas, et il faut qu'en fait, personne veut, je crois que personne a envie de, tout le monde a envie d'avoir tout, je pense que tout le monde est toujours dans son vieux rêve. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Wyatt. Ça va être vrai, ouais. Et là j'ai l'impression de retourner dans mon vieux rêve là. Ouais. Moi, espérer que ça allait mieux quand même. Bah écoutez, oui. Oui, parce que moi, j'étais pas déçu de ce système, de toutes ces petites plantes qui ne poussaient pas trop. J'aimais bien aussi être obligé d'aller voir le palefrenier pour avoir son petit chariot. C'est pas des choses qui me dérangeaient, mais j'ai l'impression que ça a dû déranger beaucoup de monde. Et encore, pas être fini. Moi, me dire que ça se trouve, peut-être avoir encore changement prochainement. Oui. Pour qu'on ait déjà, tous des purs sang arabes dans 15 jours, comme ça, c'est fini. C'est ça, en fait. D'après
ce que moi avoir compris, y avoir certaines entreprises qui déjà avoir pas mal d'argent. Ah oui, oui, non, mais oui, bien sûr. Ah bah oui, il y a des personnes qui roulent sur l'or. Il y a des personnes oui, qui. Oui, 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 ça, je peux vous le dire. Ça... Alors que normalement, pas être censé être le cas. Oui, oui, non, mais là, oui, oui. Il y a déjà des personnes qui ont déjà acheté des chevaux à plus de $300. Hein. Oui, oui, ça, c'est déjà fait. Hein. Alors, quand vous regardez déjà, il y avoir certaines personnes qui avoir profité des premières armes qui être à bas prix. Mm-hmm. Bon, après, tant mieux pour eux, hein, mais. Ça va pas être très légal, enfin pas être très équitable par rapport aux autres qui économisaient pour acheter. Et vous savez, le citoyen va râler quand il ne gagne pas assez, hein, quand il trouve que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que en fait, vous voyez que c'est un problème et que en fait ça bloque l'entrée de petits billets verts. Mais par contre, il ne va pas se plaindre quand il y a un problème et qu'il voit que les billets verts tombent tout seuls. Quoi. Alors ça, il va pas se le dire. Hein. Ça, il y a pas de problème. Hein. Ah, y a, ça, on est d'accord. Oui, je pense qu'en fait, ça manque beaucoup. Alors, c'est du fair play. Je crois que là, ça manque énormément de fair play. Oui, 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 oui. On va penser ça aussi. Et c'est un peu dommage. Parce que j'en veux pas au gouvernement, mais là, j'en veux vraiment aux citoyens, là. Plus en plus. Bah, le problème, c'est que pas beaucoup de monde jouait le jeu, donc. Oui, oui. C'est bien ce que vous dites, c'est oui, le fair play. Ah oui, parce que moi j'ai fait le tour un petit peu la semaine encore, avant que ça change, là, même encore il y a avant-hier soir. J'étais passé à Armadillo, je vais voir Armadillo, j'ai vu la dame qui s'occupait du saloon qui m'a dit j'ai envie de me mettre la corde au cou, on peut pas fabriquer de ragoût, ça m'embête parce que je peux pas vendre alors que j'aimerais bien pouvoir vendre des ragoûts. J'ai dit, mais madame, je regarde un peu là toutes les petites affiches qui sont posées contre les murs, mais est-ce que j'ai pas vu d'affiche du saloon d'Armadillo qui recherchait du l'origan? Elle me dit, bah non, oui, mais si vous ne marquez pas, comment vous voulez exciter les citoyens et leur dire, ah, attendez, il y a plein de saloons qui cherchent de l'origan, peut-être qu'il va falloir qu'on trouve de l'origan. Ça va être vrai, oui. Elle a fait une affiche, j'étais parti à Tumbleweed, elle a fait une affiche, je suis allé à Tumbleweed, je reviens de Tumbleweed, je repasse par Armadillo, elle était contente, elle m'a dit, ah, mais j'ai trouvé quelqu'un, est venu m'amener du origan, j'ai posé une petite affiche, je lui ai dit, oui, vous voyez, comme quoi. Bah oui, non, mais bon. Ah oui, non, mais ça va être vrai. Donc c'était pas si difficile que ça. Ah, puis avoir aussi certaines entreprises qui être pas aimables. Hein. Oui, aussi. Vous allez les voir, vous allez faire à moitié envoyer chier. Donc, ça aussi, j'ai bien remarqué. Moi, personne comme ça, bah tant pis pour vous. Hein. Moi, pas revenir et puis vous débrouiller tout seul. Donc là, qu'est-ce qui va se passer là? Tous les médecins, tous les saloons vont faire des ragoûts en masse et ils vont les vendre à qui? Non, ils vont les vendre à qui? Alors, les médecins vont pas faire des ragoûts, mais. Ils vont faire des antidotes dans tous les sens, oui. Bien. Oui. Et ouais, ils vont faire quoi? Bah, moi hier avoir parlé avec le patron du saloon pour vendre petites plantes. Alors lui avoir plusieurs problèmes, c'est que déjà pas avoir les clés des nouveaux coffres. Donc déjà le premier problème. Ensuite pas avoir spécialement argent pour bonjour monsieur pour acheter nouvelles plantes. Mm-hmm. Et troisième problème, c'est que lui pas avoir beaucoup de personnes qui aient acheté produits à lui. Bah oui, mais bon là il en aura encore moins. Hein. Ah oui. Ah oui, j'ai fait $1.20 en 2 heures, donc ça va être difficile, ouais, de... Ouais. Ah, on va comprendre. Et là, et puis on en revient encore au même, c'est que si les gens faisaient un petit effort pour faire tourner les entreprises... Oui, non, mais non. Parce que certaines personnes ne le font pas. Ah oui, non, mais j'ai croisé le patron de la mine d'Annesbourg dès le premier jour. Je lui ai demandé, mais monsieur, est-ce que vous serez intéressé par du charbon ou par du minerai de cuivre? Il m'a dit tout simplement non. J'ai dit bon, ah, ok. Ouais. Et je dis, qu'est-ce qu'on en fait, nous, civils, de ce charbon et de ce minerai de cuivre? Je ne sais pas. Nous, on en a bien assez. De toute façon, on vide dans les poubelles parce qu'on en a même trop. Et ce monsieur a même demandé... Alors, au lieu de penser, de se dire peut-être que je produis trop et c'est pas normal, je remplis les poubelles dans tous les sens. Au lieu de se dire peut-être qu'il faudrait que je produise un peu moins. Non, ce monsieur allait demander qu'on vide les poubelles plus souvent. Incroyable. Donc après, je suis allé voir les trains, j'ai dit peut-être qu'eux vont prendre le charbon, mais non, parce qu'en fait, ils ont un contrat avec la mine de gratuité. Donc comme ça, hop, c'est fait. Et bonjour. Il y a une grève des éboueurs ou quoi dans le coin? Il n'y a pas d'éboueurs, surtout.
Eh oui. Y'a plus de poubelle. Ah bah si, alors faites une petite sieste, monsieur. Ah d'accord. Ouais. Ça fait deux villes qu'on tourne, on voit plus de poubelle. Ouais non, alors quand c'est comme ça, la petite sieste s'impose. D'accord. Oui. Bon bah, on va se mettre derrière le... Oui. Le bâtiment alors. Merci. Ouais, de rien. Et donc, les trains ne prennent pas de charbon parce qu'ils ont un contrat de gratuité avec les mines ne prennent pas de charbon parce qu'ils en ont bien assez, on veut faire que le cuivre, ils en ont rien à foutre, donc tu jettes du charbon et du cuivre à travers les poubelles, avant on trouvait des petites pierres précieuses, maintenant on n'en trouve plus, parce que les mines s'en sont mis plein les poches de pierres précieuses, donc maintenant j'attends toujours de voir quand c'est qu'on va pouvoir les revendre, mais je pense que ça va être revendu une misère parce que je pense qu'il y en a qui en ont des tonnes. C'est totalement. Moi, je pensais que là, on commence à rentrer dans un pass. Ah bah, de toute façon, je pense que si le gouvernement n'impose pas une discipline aux entrepreneurs, on va vraiment avoir un grand souci. Mais une discipline, vraiment une grosse discipline. Hein. C'est pas possible. Parce que moi, comprendre que l'entreprise peut avoir argent, donc pas recruter. Mais comment faire alors, citoyen, s'il peut y avoir travail ? Et bah avant, ils pouvaient chasser, mais alors maintenant, ça ne sert à rien, ils ne chassent plus. Bah, voilà. Juste pour manger, mais bon, regardez, vous et moi, avoir déjà beaucoup de viande. Ah bah oui, parce qu'après, maintenant, les saloons vont se plaindre parce qu'on a trop de viande et qu'on se nourrit nous-mêmes. Bah oui, non, mais bon, il arrive un moment, on fait comment ? La viande, on ne peut pas vous la revendre, on ne va pas l'acheter dans les poubelles pour après vous faire plaisir. Il arrive un moment, on n'est pas les... Ça me fait peur parce que je trouvais ce pays magnifique au départ parce que je me suis dit, ce pays, on est obligé de tout faire avec quelqu'un, on ne peut rien faire soi-même, et je trouvais ça, mais alors là en fait, plus on avance et plus je me dis que on va perdre complètement ça, tout le monde va pouvoir faire tout lui-même, plus besoin de personne, voilà, besoin de rien, envie de toi. Yeah, exactement, et encore d'après ce que moi avoir compris, avant pouvoir faire recettes dans petite marmite, ça avoir été éliminé, mais toujours pouvoir faire quand même viande cuite. Et si les gens pas jouer le jeu en allant à Saloon pour acheter, vu qu'à eux avoir viande cuite, bah forcément, Saloon jamais vendre. Ah bah oui. Mais bon, après, si le Saloon... Après, c'est pareil, je veux dire, monsieur. Il arrive un moment. Si moi, je cueille des plantes et que je m'aperçois que le Saloon cueille ses propres plantes et va chercher sa propre viande, pourquoi je lui ferais plaisir alors que lui ne me fait pas plaisir ? Il arrive un moment, il y a aussi ça. D'accord. C'est tout un... Enfin... Ah oui, non, mais moi, il est d'accord. C'est difficile quand même. Parce que je trouve ça, en fait, c'est pas difficile, je trouve ça dommage. C'est simplement dommage. Ah oui. Ah oui, bah, être fair play, tout ça. Ouais, pas tout le monde avoir même notion. Mais bon. Mm-hmm. Ça va être comme ça. Yep. Ouais. Bah oui, donc là, en fait, on va recommencer, oui. Ouais. Tout le monde aura tout, les mêmes auront toujours tout, et puis le jour où ils en auront marre, ils vont quitter le pays, il faudra attendre 3 semaines, 1 mois, parce que ces messieurs, bien sûr, vont pas dire qu'on s'en va, on vous laisse tout. Non, ils vont partir comme ça. Il faudra attendre 3 semaines, 1 mois avant de récupérer tout ce qu'ils avaient. S'ils reviennent pas, juste une petite semaine pour faire voir. Enfin bref, ça va être un bordel infâme. Ah oui. Et puis avoir risque de baisse de population, parce que justement... Pu trouver entreprise qui fonctionnait, par rapport à économie aussi, parce que moi on sait qu'il y en a vont vite en avoir marre. Ah, mais le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, ça c'est un réel problème, il faut que je pense que d'après ce que j'ai entendu, que le gouvernement est à fond pour que le civil soit là et soit présent et un rôle majeur. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que là, on est en train de perdre totalement. On n'a plus de rôle, on n'a plus rien là. Hein. Enfin, très là, oui, là, il n'y a plus. Là, je ne sais plus quoi faire. Enfin, moi, là, par chasser, mais du matin au soir, je ne vois plus quoi faire. Et là, c'est fini, hein. Faut plus nous demander rien du tout. Et en plus, chasser juste histoire de gagner un peu de dollars et survivre. Hein.
ouais, enfin, pour avoir dollars, passer beaucoup de temps. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est, donc, plus avoir de dialogue avec personne, plus de vie sociale. Ouais. Ouais, d'accord. Alors que là, j'avais l'impression que le civil gagnait bien sa vie, sans trop. Moi, je trouvais qu'elle gagnait bien sa vie. Elle gagnait autant que quelqu'un qui allait travailler. Et elle pouvait être prête. Moi, je sais que je suis allé chercher un peu de foin. Je suis allé chercher, voilà. J'achetais. Il n'y avait pas de ragoût. Bon, ben voilà, il n'y a pas de ragoût, pas d'alcool. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de prendre un petit ragoût, quoi. Mais là, au jour d'aujourd'hui, là, c'est fini, là. C'est terminé. Ah non, non, bah ça, là, nous, être dans... Comment dire, dans l'économie par rapport à ce que nous gagnons. Ah oui, non, là... Non, non, là, c'est... Ah, je sais pas, là, mais faut vraiment, j'espère qu'ils regardent un peu d'en haut et qu'ils vont vite se réveiller et faire ce qu'il faut pour pas perdre de civils, parce que s'ils perdent le peu de civils qu'il y a, ça va être terminé. Oui, oui. Déjà, y avoir eu une période où être... Oui, oui, bah, on l'a oui, oui, on l'a connu, et sans civils, c'est, c'est difficile. Eh oui. Alors déjà que là... Là, avec civil, pas être évident, mais alors sans civil, là. Moi, pas imaginé. Ah, oui, oui. Ah, oui, pire là, ouais. Ah, je vous dis, hier, j'étais un peu chafouin. Je me suis dit, peut-être que t'as râlé pour rien, mais en fait, non. Si on peut rien faire de tout ça, bah, qu'est-ce qu'on. Bah, j'ai en train de chercher notre utilité, là. Bah, moi, avoir réfléchi, et ouais, pareil. Pas trouvé vraiment de réelle solution parce que ouais, reprendre entreprise disponible, ouais, ça va être bien, mais c'est pareil, au bout d'un moment on va être bloqué. Oui, 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 oui. Alors, vous vous rendez compte, 2 centimes la plante. Aïe, aïe, aïe. Je stocke là, je vois, j'ai des achillées, j'ai 3 kilos d'achillées, je vais gagner 60 centimes pour avoir 3 kilos sur moi de plantes. Non, mais faut arrêter. Ouais, non. Non. Ah ouais, non, non, mais... Non, non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ah, et puis, pareil, dire... comment dire... réserver que certains achats à quelques cueilleurs, ça va être compliqué, parce que tout le monde a le droit de gagner argent. Ah bah oui. Ouais, non, là... Non, j'ai trouvé que la rareté, c'était bien pour ça. C'est vrai. Compliqué à trouver plante, mais au final, être mieux. Oui, mais surtout que bon, c'était le début. On était là sur que on est que sur une semaine et demie, hein. Le temps que tout le monde cherche les trucs. En plus, ça commençait à arriver, hein. Moi, j'ai tombé sur la sépiade. Je pense que vous avez trouvé aussi d'autres plantes. Donc, au fur et à mesure, hop, on trouve d'autres plantes et puis on en parle un petit peu. Et puis, au lieu d'avoir un cueilleur, il y en a peut-être 2 ou 3. Donc, ça allait arriver. Et les entreprises allaient avoir tout doucement le stock allait arriver tout doucement. Il fallait aussi que le temps que ben, tout le monde recherche, hein, ça se fait pas en un jour. Et j'ai l'impression qu'en fait ils étaient trop pressés, donc là, boum boum, là faut que ça tombe, là faut que ça tombe, faut que ça tombe. Bon bah maintenant c'est tombé, c'est là. C'est pour ça que moi me dire que d'ici à ce qu'il y ait nouveau changement, ça m'étonnerait pas. Ouais, mais bon, là. Soit eux réduire le nombre de plantes, encore une fois. Ou alors rechanger encore l'emplacement des plantes. Ouais, mais bon, là le problème c'est qu'en 2 jours ou 3 jours, ça va tuer combien de temps là, hein. Oui, parce que là tout le monde stocke, hein. Je pense que qu'hier dans le pays ça devait chasser, et ça a dû chasser, et ça a dû cueillir dans tous les sens, hein. Ah, ça va être sûr. Ah, oui. Oui. Donc là maintenant, même s'ils remettaient l'ancienne chasse, enfin encore l'ancienne chasse, ça referait vivre un peu le civil. Parce que bon, j'ai envie de dire, là, moi, là, j'ai ouais, 89 portions de gibier. Bon, bah écoutez, si je peux pas les vendre à quelqu'un parce que personne en veut, bah, je devrais pouvoir au moins les vendre au boucher. Hein. Arrive un moment où je sais pas à qui. Ah bah, hein, parce sûr. Que bon, je vais pas jeter tout ça à la poubelle. Et après, bah, pour les plantes, de toute façon, les plantes, même les remettre rares, de toute façon, là, tout le monde a stocké. Donc, ah non, bah là, il est trop tard, hein, les plantes. Hein,
plantes, elles n'ont plus aucun intérêt. Je regardais, quelqu'un avait mis une petite suggestion dans le pays à dire oui, mais maintenant, le tabac indien, il faudrait qu'il y ait une pipe parce qu'on peut le faire. Ah ben oui, mais attendez, il y a deux jours, personne ne disait rien. Et là, maintenant que tout le monde voit que ah ben ça y est, regardez, maintenant ils peuvent cueillir le tabac indien de partout, maintenant il va falloir qu'on nous rajoute une pipe pour qu'on puisse la fumer. Non, mais vous voulez quoi, les gars, là ? Et il arrive un moment, faut arrêter. Il y a une semaine, ça dérangeait personne, hein ? Hein, mais là aujourd'hui, ah bah ça y est, ceux qui ont du manque à gagner, ça râle. Et il y a une semaine, personne disait ah bah oui, les citoyens, ils sont obligés de chercher des cigarettes pour pouvoir se enlever leur fatigue, mais ça gênait personne. Hein. Et on a joué le jeu, moi j'en ai acheté des cigarettes. Hein. Ah ouais, mais nous pouvoir aller loin dans ce cas-là, hein, parce que cigarettes, avoir besoin de feuilles pour faire cigarettes. Mmh. Ah non, mais. Et là en fait, là, ce qui est... de toute façon, c'est toujours, ce que je vous dis, c'est toujours la même chose. Tant que ça gagne, tant que ça rapporte, tant que ça arrange la personne, tout va bien. Et quand ça arrange plus, là, ça râle. C'est quand même incroyable, ça. Hier, moi, entendre personne parler de export ne pas arranger les choses aussi. Ah bah, l'export, c'est pareil. Trois jours, déjà, ils se plaignaient tous parce que, bon, oui, mais on n'a pas d'export, comment on va faire pour travailler ? Ah, mais... Ça fait trois jours que vous avez l'entreprise, déjà faites des affiches, faites-nous voir que vous êtes ouvert parce que j'ai déjà du mal à trouver une entreprise ouverte, donc il va falloir commencer à... Bon alors le matin je dis rien, hein, je suis d'accord. Hein. Oui, hein. Mais bon, fin de journée, il va falloir commencer à se bouger un peu les fesses et puis au lieu d'être 5 dans un ranch de 22h à 1h du matin, essayez d'être 3 la journée et 3 le soir, ça sert à rien d'être 50 tous en même temps. Hein. Le but du jeu, il est que les entreprises soient ouvertes quand même assez longtemps dans le pays. Pas 2 heures, vous êtes 70, et puis après, tout le reste de la journée, il n'y a personne. C'est vrai. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises. Quand même. Non, mais ça, ils n'ont pas compris non plus. Ça, personne ne comprend. Je crois qu'en fait, il y a un grand problème. J'aimerais rencontrer la personne qui s'occupe des entreprises, parce que je pense qu'il y a un grand problème de discipline dans les entreprises. Peut-être falloir leur expliquer qu'ils sont un rôle majeur dans le pays et qu'il va falloir qu'ils... C'est pas juste un petit terrain de jeu pour s'amuser, voir les copains, quoi. Bah, moi, je pensais que ça allait être le cas pour beaucoup de personnes. Alors. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Parce que déjà, comme vous dire, message d'ouverture entreprise, pas voir beaucoup. Mm-hmm. Et puis alors, message de recrutement pour entreprise, pas voir non plus. Oui, non, non, non. Non, non. En fait, ce que je veux faire, c'est que, bah tiens, moi connaître lui, alors moi lui dire de venir travailler avec moi, et puis quand nous y aller, eh ben non, trop tard. David Castano, comment ça va ? Oui, oui. Ouais. Non, non, mais là, et puis je suis en train de penser à toutes les personnes qui a... Alors, parce que c'est pareil, il arrive un moment, quand on arrive en bateau la journée, et après, on passe à la douane pour être là le soir, on est d'accord ? Oui, alors qu'est-ce qu'ils font la journée, là, les gens, là ? Alors là, pas de question. Peut-être cachés derrière petit poteau pour écouter d'où ? Oui, non, mais bon, même s'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont rien à foutre, ils vont rien avoir à foutre. Y'a personne. Et je pense que ça devrait être une obligation. D'avoir autant d'employés, oui, mais sur plusieurs tranches horaires. Débrouillez-vous, faites comme vous voulez, mais il faut que vos entreprises, si vous avez un employé, bon, ok, vous pouvez ouvrir que 2 heures ou 3 heures par jour, d'accord, mais du moment où vous arrivez à 5 ou 6 employés, vous débrouillez comme vous voulez, vous trouvez des employés qui ont des tranches horaires différentes, et c'est pas possible de... Y a rien, même avant, moi j'ai connu un pays... Hein, qui ressemblait énormément à celui-ci. Hein, il y avait juste un numéro qui changeait. Où on allait à la cotonnerie, où on allait au tabac. Il y avait toujours quelqu'un qui travaillait. On rencontrait tout le temps quelqu'un. Bon, je ne dis pas de partout, mais les grosses entreprises comme là, il n'y a personne. Ils sont là tous à la même heure. C'est tout le temps le même. Pff, voilà. Alors, par contre, si vous venez le soir, alors là, ils sont 52. Ah oui. Oui. Ouais, voilà. Ou alors eux dire, bah, faire shérif, marshal, policier, mais eux déjà être beaucoup. Ouais. Ou sinon, il va falloir qu'ils nous mettent, moi je vais réclamer, je vais demander au gouvernement un export pour les civils, un export de plantes et un export de viande pour les civils. Voilà. Ça va pas être bête, mais ouais, pour être sûr que accepté. Ah bah c'est sûr que ça va être pas accepté, mais bon, arrive un moment, qu'est-ce qu'on fait nous ? Ah bah non, mais... On remplit, on achète des petits coffres qu'on peut se faire piller n'importe quand, et puis on remplit, et puis on attend. C'est ça. Ah non. Non,
Non, je suis, là, je suis pas pour l'export, hein. Je n'aime pas l'export et ça serait que de moi, il n'y en aurait pas. Plus. Mais bon, là, si je peux, tout ce que je fais ne sert à personne, moi déjà rien que le charbon et le cuivre, je suis désolé, ça sert à personne, et ben, j'en ai marre de le jeter dans les poubelles. C'est une honte de jeter autant de trucs dans les poubelles quand même. Ah mais de toute façon, nous, au bout d'un moment, être bloqué, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas, ils font un grand four crématoire, ou j'en sais rien, où on emmène tout ça et où c'est brûlé, je ne sais pas, même si c'est racheté à bas prix, je m'en fous, mais même s'ils reprenaient le charbon un centime, ben, j'irais le vendre au lieu de le jeter dans les poubelles. Là, ça devient hallucinant, quoi. J'ai l'impression de passer du temps pour rien. C'est vrai, c'est exactement ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais te faire une demande d'un four où on peut jeter tout ce qu'on a à jeter, que ça nous rapporte, même si ce serait une petite somme. Mais arrive un moment, c'est... Bah, je vois plus l'intérêt, là. Je ne sais plus. Je ne comprends pas, là. Parce que là, j'en fais quoi de mes 89 pièces de viande, là ? Faut être tranquille pendant un bon moment. Ouais, non, mais je vais les jeter. Moi, je peux pas stocker je sais plus combien de kilos de viande dans mon cheval pendant des jours et des jours. Enfin bon, en plus, ouais, ça va tourner cette viande, merde. Oui, oui. Bah, vous dire que moi, avoir même proposé à petite personne dans Bayou de donner viande, mais vu que eux chassaient, pas avoir besoin non plus. Oui. Et au final, être comme vous, stocker viande, et puis voilà. Donc chasse, au final, pas servir à grand chose. Juste un petit plaisir, mais bon, toute journée chassée, bon. Mm-hmm. Oui. Et encore chasser à l'arc, ça allait, parce que flèche être récupérable, mais... Oui, alors la chasse, c'est pareil, là, parce que là, hier, on en discutait un petit peu, là, vu que de toute façon, il ne reste plus que la chasse pour les citoyens, voilà, il va faire quelque chose... Et qu'on va dire que si on peut pas revendre les pièces de gibier, ça voudra dire qu'en fait les carcasses, ça sert à rien de les ramener parce que ça rapporte que dalle. Donc qu'est-ce qui rapporte je vais vous le dire. Les petites peaux et les plumes d'oiseaux. Voilà, parce qu'elles sont toujours repris 4 cents. La viande. Oui. Alors maintenant, je vais vous dire franchement, des endroits pour trouver des oiseaux à foison et des petites peaux, il n'y en a pas des millions. Et je peux vous et voilà. Et hier, je me suis baladé dans le bayou. Il y avait déjà une personne qui chassait. Je suis arrivé, je l'ai rejoint et hop là, on pouvait plus chasser. Eh oui. Ouais. Alors avant, donc quand tout le monde a un peu d'argent et que tout le monde est bien, tu dis, moi je sais que j'ai eu connu ça où tu disais, bon écoutez, je vous laisse la place, hein, chacun son tour. Mais bon là, on est tous dans la même merde. Personne va laisser sa place, hein. Ah non, ça va être sûr. Hola, señor. Hola. Il n'y a pas une seule gabayou ici. Non, il n'y a personne du tout. C'est sûr que c'est les chevaux là, moi il y a un problème avec mon bourrico. Hein. Qu'est-ce qu'il a votre bourrico? Ah, il peut pas mettre de carcasse dessus. Ah oui. Après, je sais, c'est compliqué quoi. Peut-être mettre petit canard dessus. Ah, moi je mets que les petits animaux. Vous allez pas foutre un cerf là-dessus quand même. Ah bah non, mais il est solide, mais je sais pas, il veut pas le porter. C'est une vraie tête de mule. Ah, ouais. Oui, oui, vous avez vu sa tête. Bon, lui est mignon. Oui, mais il a une tête de mule quand même. C'est vrai. Ah, il est solide. Ah, mais ça, c'est là-dessus, là, je peux dire le contraire, hein. Il a l'air bien musclé en plus. Bête. Ah, c'est. Oui, mais ça ou un petit chariot, sinon, monsieur, hein. Ah, oui, un petit chariot, mais pour le moment, il y a d'autres trucs à acheter, quoi. Voilà. Après, si, les chariots, si, je sais plus combien d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir. $20, monsieur, vous avez un petit chariot à $20, hein. Déjà, vous pouvez mettre, je crois, une trentaine d'animaux dedans, hein. D'accord. Ouais. Ah, il y avait un plan, non, je pense. Ouais, c'est bien pour commencer, puis en plus il est assez pratique, il est tout petit, assez maniable. Vu que... Oui, en plus je vois que vous aimez les choses un peu petites, donc bon. C'est... Il va vous plaire. D'accord, c'est super. Ah merci seigneur. Mais de rien monsieur. Pas de quoi. Passez une bonne journée. Moi aussi. Ouais, donc bon. Alors... Regardez s'il y a voir par exemple petit métier de boucher au lieu d'y avoir Gérard là qui tenir boucherie dans toutes les villes.
Ça aurait pu être bien aussi pour acheter viande à tout le monde. Oui, bah après là c'est pareil. Alors l'histoire du gibier à 4 cents. C'est 4 cents ça qu'il reprend le gibier, j'ai entendu parler. Alors moi je crois que c'est 0,03 maintenant. Ah oui, 0. Ils ont qu'à nous cracher dans la gueule aussi. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. Vous-même, regardez, marchand. Oui. Si, être tenu par quelqu'un comme vous et moi, ça va être bien aussi. Oui, oui. Faire tourner plus économie. Parce que là, les personnes allaient là-dedans, acheter. Et puis, bah, pas faire tourner l'économie du saloon. Ah, ouais, être toujours le même problème. Oui, oui. Oui, non, mais alors. C'est. Oui. Oui. Non, mais de toute façon, nous pouvoir parler de toute entreprise ou autre chose, revenir toujours au même point. Ah oui. D'accord. Alors, mais là. Mais moi, être d'accord, hein, si vous vouloir proposer idée pour comment civil avoir quelque chose pour revendre, même à moindre coût. Ah bah, je vais vous dire, franchement, hein, à me reprendre 0,3 la viande de gibier, être obligé d'attendre toute la journée pour aller la vendre et encore de même pas savoir si je vais la vendre, limite, il va falloir que je me mette à genoux pour réussir à la vendre. Ce que je veux dire, je préfère la revendre 1 cent direct et la dégager. Hein. C'est vrai. Il arrive un moment. Voilà quoi. la sociabilité, je veux bien, mais alors si c'est pour avoir l'impression de me faire chier dessus à chaque fois, j'ai autre chose à faire. Ouais, là, c'est pour ça que moi faire petit tour là dans matinée et puis attendre ce soir pour voir, mais. Parce que j'aurais pensé qu'ils allaient faire comme au moins l'effort de dire, bon, vous la reprend 0,5, enfin 0,05 quoi, au moins 0,05, 0,06. Alors, non, en fait, ils la prennent encore moins qu'avant, quoi. Comme ça, en fait, oui, toujours. Ah bah, faut pouvoir aller voir Gérard, hein, mais moi, hier, avoir vu 0,03. Ah oui, non, mais Gérard, oui, oui, alors parce qu'en fait, les Gérards, ils vendent pas tous pareil. Vous allez à Saint-Denis, il prend 0,04. Ah, il y a d'accord. Ouais. Mais bon, je veux dire, on est ça un saloon, reprenez là un peu plus cher que ça vaille le coup. Ça veut dire n'importe quoi. Non, on continue, rien à foutre. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment là les merdes du pays, ça m'énerve un peu ça. Ah, je comprends. Mais je vais m'en occuper. Et là, ce soir, je vais quand même faire le tour de tout ça. Aujourd'hui, je vais aller voir un peu. Là, je vais faire le tour des saloons, des médecins avec mes petites plantes, voir un petit peu ce qu'ils me disent, qu'ils me fassent un peu serrer des dents. Je pense que je vais même arriver, leur demander si je peux pas leur filer de l'argent avec les plantes pour voir si des fois, c'est pas mieux. Oui. Je proposerai. Norbert, comment ça va? Bonjour à toi. Bah hier, les patrons médecins m'avoir dit « Oui, non, maintenant, être 0,02 plus 15 cents. » Pas comme moi avoir dit, hein, de toute façon, moi, pas en faire de la compote, hein, sinon aller dans la poubelle. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça n'a pas donné vraiment envie de continuer. 0,02, c'est trop peu. Bah, bon, après, pas être de leur faute, hein, ça va être l'État qui leur dire de faire ce prix, mais... Ouais. Et non, là, c'est vrai que pas être motivant. Oui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi y avoir Gérard qui reprend de viande, mais pas y avoir Géraldine ou quelque chose comme ça qui rachète des plantes. Ça aurait pu être pratique également. Oui, oui, non, mais de toute façon, là, moi, je vais envoyer un truc au gouvernement. Je vais leur dire qu'il va falloir qu'ils nous fassent quelque chose, qu'on arrête de jeter autant de matières premières dans les poubelles ou de stocker autant en attendant que quelqu'un en ait besoin, parce que c'est pas possible. De toute façon, là, avant, c'était simple. Alors, pas se mentir, avant, c'était quoi? Le charbon et le minerai de cuivre. Il y en avait de partout. De partout. C'est clair, personne n'en voulait, ça a été jeté, je pense qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes qui ont été jetées. Bon, au lieu de rien en faire, trouvez-nous un endroit où on peut y refiler, y refoutre. Oui, oui. Oh, on s'en fout, on y met dans un four, on y brûle. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Alors maintenant, il va y avoir toujours le minerai de cuivre et le charbon, parce que ça ne va pas changer. Il y en a un peu moins, parce qu'en fait, plus personne n'en a rien à foutre. Voilà, ça sert plus à rien d'acheter une pioche de toute façon. Alors maintenant, il va y avoir blindé de plantes et de viande, parce que personne n'en veut, dans les poubelles.
Bon, il arrive à, un moment à arrêter. On est, là, j'ai l'impression d'être dans une vie de gaspillage à foison. Il me semble que... on est plus... Enfin, j'ai l'impression qu'on... On s'évade de la réalité, là. Hein? Il me semble qu'en 1900, on n'était pas trop dans le gaspillage à foison. Non, justement, au contraire. Ouais. Être, bon, la vie être dure, mais... Mais non, justement, pas gaspiller. Ah, mais oui. Alors, pas du... Non, il va falloir... Je vais m'en occuper, là, juste après. Je vais m'occuper de ça. Moi, trouver que... dommage que eux, pour comment dire... création d'entreprise, il y avoir bon projet. Parce que manquait quelque chose pour moi, à mon avis. Oui, non, mais là, il y a quelque chose qui va, quelque chose qui va pas. Alors, je comprends que tout le monde râle dans tous les sens et qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais là, j'ai l'impression que là, le dernier plaisir qui a été fait, ça va faire excessivement de mal, et que là, pour retourner en arrière, parce que alors, c'est bien de faire des choses, mais retourner en arrière, c'est encore plus difficile. Ah, monsieur Andrew! Dites-vous que moi, avoir pensé reprendre restaurant à Saint-Denis, mais être au même problème que Saloon, en fait. Oui. Ah bah, là, bah... Oui, mais aujourd'hui, vous avez plus de problème, vous pouvez le reprendre au restaurant. Vous allez chasser vous-même, vous allez cueillir vous-même, vous êtes tranquille. Voilà. Mais du coup, préfère travailler vous en tant que civil. Ah, bah après, vos petites soupes, vous allez pouvoir vous les mettre là où je pense, hein, je peux vous le dire. Oui, c'est normal. Mais oui, non, mais c'est ça le problème. Il est là, il y a le grand problème. Parce que là, moi, je suis d'accord, là. Parce que, je vais pas vous mentir, hein, pour que c'est échangé comme ça, je vais pas vous mentir, je pense savoir qui a râlé un petit peu. Hein, et voilà, bizarrement. On a la viande de gibier qui est maintenant, à part la revendre au saloon, on peut rien en faire. D'accord. Encore eux pas racheter parce que chasser eux-mêmes. Voilà. Et les plantes, bizarrement, qui c'est qui avait pas de plantes? On est d'accord. Donc, je pense que là, on a fait grave plaisir à ces établissements. C'est très bien. Et je leur souhaite bon courage pour vendre leur ragoût et leur petite soupe. Hein. Ouais. Parce que là, je sais pas qui vont les vendre. Hein. Très très peu de personnes. Sur 100 citoyens, moi, penser, même pas la moitié. Mm-mm. Ah bah si, ils vont vendre au shérif, au marshal, à la mine, mais bon, le civil, ça... Ah j'ai... Oui. Ah bon, c'est... Mais là, j'en suis pratiquement certain que là, ça a dû râler de ce côté-là. Parce que c'est bizarre, hein. Les plantes d'un coup, et la viande en même temps. Et deux choses, hein, pour faire les ragoûts. Bizarre, ça. Parce que moi, quand j'ai vendu les carcasses, je dis oh bah très bien, ça me donne de la viande. J'ai dit bon bah super, en plus je vais pouvoir revendre la viande. Et puis là je me suis dit ah ben non, je peux pas la revendre. Qu'est-ce que j'en fous? Et j'ai regardé, je dis tiens, c'est de la viande de gibier, c'est ce qu'ont besoin les saloons pour faire des ragoûts. C'est bizarre. Ah ouais. Moi avoir demandé hein, pour la viande, mais eux pas racheter parce que l'avoir eux-mêmes. Mmh. Donc viande sur les bras. Maintenant bientôt plantes sur les bras. Déjà à moitié le cas. Bah oui. Ouais. Oui, non, mais là, je pense que ce que j'ai sur moi, je pense qu'on peut se retrouver demain matin à la même heure, j'aurai toujours ce que j'ai sur moi, hein, j'en suis pratiquement certain. Oui. Vous faire petit colis avec. Oui. Ou peut-être essayer de vous pendre, mais pas sûr que de tenir. Oui. Parce que, mis à part plantes et viande, pas savoir quoi faire d'autre. Hein. Là... Oui. Alors là, ouais. Parce que même pas y avoir travail intérimaire dans l'entreprise. Moi, être même prêt à travailler sans salaire pendant petite durée, mais... Ah non, mais tout est pris. Tout est pris. Alors c'est marrant parce que tout est pris et ils ne revendent à personne parce que personne peut reprendre, mais ils travaillent et ils payent des salaires incroyables. Alors je tout va bien. Eux, ils sont bien. Je sais pas, c'est pareil. Alors, c'était les premiers à se plaindre, ils pleuraient, à piailler. Puis alors aujourd'hui, ils achètent des choix à 300 balles, mais là, il n'y a plus personne qui piaille, hein. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Il m'a fallu une semaine pour rencontrer quelqu'un qui travaillait au coton, et encore, je suis tombé dessus par hasard. Ah oui, d'accord. Ah oui.
Le tabac, passe un moment, j'appris. Alors là, c'était encore un peu plus impressionnant. Alors, ils vendaient moins cher les cigarettes aux citoyens que les saloons les vendaient aux citoyens. Je suis allé voir les saloons, je dis, est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, ils n'ont pas compris. Oui, bon, je dis, bon, ben, c'est très bien. Je fais, au pire, c'est... j'ai dit, les distillateurs ont qu'à vendre l'alcool aux citoyens moins cher que ce que vous vendez l'alcool aux citoyens. Puis comme ça, vous servez à rien, quoi. Mais bon, ils n'auraient pas l'air d'avoir compris, donc j'ai trouvé ça normal. 16 centimes, voire... Non, combien? Même, je crois, jusqu'à 10 centimes la cigarette, alors que le saloon les vendait 20 à 25. J'ai dit, mais... vous croyez que les gens vont venir chercher des cigarettes? Enfin, vous trouvez normal que votre grossiste vous pique les clients? Ah bon. Oui, ça avait l'air d'être normal pour tout le monde. J'ai dit, bon, ouais, on devrait vivre dans un pays de fous. Bah, déjà, pour moi, tout ce qui est être entreprise, déjà, pas devoir vendre à partir de... Tout à fait. Tout à fait. Déjà. Bien sûr, les grossistes ne vendent qu'aux entreprises, ne vendent pas aux citoyens. Voilà. Oui, non, mais je dis qu'il y a vraiment une discipline. Je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien connaître qui c'est qui s'occupe de ces entreprises-là. Mais là, il y a vraiment un bordel infâme là-dedans. C'est que pour tout remettre sur pied, ouais, ça va être compliqué. Bah là, c'est difficile parce qu'en plus, là, il y en a déjà qui s'en sont mis plein les poches. Tout est là à part. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'est. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Comment vous voulez faire? Là, c'est remettre tout. Il faudrait remettre tout à zéro. Mais là, vous remettez tout à zéro, c'est fini. Ah, quoi. Non, ah non, oui. Non. Mais malheureusement, ça va être la solution la mieux. Mais impossible. Ah oui, non, 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 non. Ou alors si, attendre un an. Et vous avez vu la queue de mon serpent? Ah ouais. Oui. C'est incroyable, hein, oui, oui, oui. Je vais être encore vivant, attention. Oui, non, là, c'est... Non, non, il y avoir eu trop gros problème. Ou alors, si, pouvoir faire... remettre sur pied, mais alors en faisant tout ce que nous avoir dit. Enfin, pas maintenant, mais dans un avenir très très proche. Histoire que les gens dépensent un peu d'argent. Oui. Et que les grosses entreprises ne vendent plus à particuliers, fassent moins d'export, etc. etc. Oui, oui. J'avais peur, je sais que j'avais peur de ça, de ne pas être tous sur le même pied d'égalité. Et Là, à ce niveau-là, quand même. Et là, on est là. Alors, aussi bien au début, je me suis dit, bon, ça a l'air de pas trop mal, mais il y en a quand même deux, trois qui arrivent à s'en sortir un peu trop. Mais bon. Et là, on est en train de creuser un feu. Enfin, je m'aperçois qu'en une semaine, il y a un fossé qui s'est creusé qui est incroyable. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, moi, pas savoir si vous êtes là lors de réunions de. Gouvernement pour ouverture de la ville. Si, mais j'ai l'impression de ne pas avoir été dans la même réunion. Moi. Mais si vous vous bien vous rappelez, eux avoir dit que tout le monde gagnait à peu près même salaire pour avoir égalité. Oui. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir été dans la même réunion. Et voilà. Que, en fait, le pays, c'était à nous de faire en sorte de faire tout ce qu'il faudrait pour que tout le monde vive bien et pour que... J'ai l'impression qu'on était dans un autre pays. Enfin, j'étais dans une autre vie, j'ai dû entendre autre chose. Je vais pas être dans la même réunion que tout le monde. Ah bah moi être dans le même rêve que vous apparemment. Parce que là... Oui. Non, là hier j'ai appris des salaires, des... Ouh là 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 là. Aussi avoir compris, oui, bon, avoir entendu que certains gagnaient au moins 110, 130 dollars par semaine. Oh oui, voire même plus. Ouais. Alors que, médecins avoir eu problème parce que eux, soi-disant, gagnaient trop. Ah, ouais. Alors que pas du tout. Par rapport, pas du tout, du tout. Donc après, oui, est normal que certains métiers gagnent un petit peu plus. Ça va être normal, ça pas problème. Mais là, à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas d'export au départ, normalement, on devrait dû payer des personnes à la production finale. Pas à la production, mais vous savez, c'est temps par semaine, voilà, c'est un boulot, temps par semaine, il y a beaucoup de commandes, et ben ça bosse un peu plus, il y en a moins, ben ça bosse un peu moins. Et voilà, c'est un salaire fixe par semaine. Là, en fait, vu qu'il y a de l'export, et ben on est reparti sur des salaires à la production. Alors bien sûr, il y a des personnes qui arrivent au pays à 6h du matin, qui repartent à 3h du matin, et qui font des 250 dollars par semaine, et qui...
C'est n'importe quoi, quoi. Ouais. C'est pour ça que export, ouais, ça va bah, ruiner l'économie. Alors que voilà, bon, bah, c'est tout. C'est des petits salaires. Il fallait partir sur des petits salaires. C'est tout. Ah, là, arrive un moment que comment voulez-vous. Je crois que le minimum, c'est 10 dollars par jour qu'il gagne. Au minimum. Ouais. Vous rendez compte, mais 10 dollars par jour, mais moi, j'ai regardé 10 dollars par jour, mais là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour nous, 10 dollars par jour, c'est impossible. Pas faisable. C'est impossible à faire. Possible. Ah bah non, quand vous calculez petite plante à 0,02, en imaginant que vous trouvez une personne qui rachète tout. 10 dollars de petite plante, faut y aller. Déjà, les poches sont trop petites. Donc déjà, ça c'est pas possible de faire 10 dollars de plante, ou alors en plusieurs fois. Et je vous dis là, le problème ne commence tout juste, hein. Parce que là, pareil. Hein. Hier, j'en discutais un petit peu aussi. Quand les propriétés vont être à vendre, là, comment ça va se passer, hein? Ceux qui vont avoir tout l'argent vont s'en acheter 4, 5, 6, qui vont revendre le double ou le triple. Pff, ils vont même pas s'en servir, on sait même pas pourquoi ils ont acheté ces biens-là. Et puis alors des gens comme nous, je peux vous dire que bah, nous, on pourra toujours pouvoir les se gratter. Hein. Ah non, vous et moi, on va dormir dans la paille à l'écurie. Et encore. Et là, le problème. Il est quoi, eh oui. Là, il y a déjà trop. Hein. Enfin, c'est ça, ce que je disais. Quand de toute façon, au bout de 8 jours, 9 jours, on a déjà des personnes qui peuvent s'acheter des biens à plus de 300 ou 400 dollars. C'est qu'il y a pas de problème. Pendant que d'autres, on les voit passer qu'une petite mule et qui ont du mal à s'acheter un chariot à 20. Je veux dire, ouais. Il y a un monde entre les deux, quoi. Voilà. Mmh. Non, ça va être un vrai problème. Parce que toujours être même problème, non. Non, il y a pas à y avoir solution, mis à part tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de solution de toute façon. Déjà, la première des solutions, c'est une mentalité de personnes qui sont là pour passer de bons moments et de faire en sorte que tout le monde passe de bons moments. Déjà, tant qu'il y a ça, ça n'existera pas. Que chacun pense qu'à sa petite gueule, ça ne marchera pas. Et là, c'est ce qui se passe depuis plus d'une semaine. C'est que tout le monde pense à sa petite gueule. Regarde-lui, t'as vu, il gagne tant. T'as vu, c'est pas normal. Mais laissez les choses faire. Laissez les choses faire. Alors bien sûr, je me mets à la place des saloons qui pouvaient pas vendre de ragoût parce qu'ils pouvaient pas en fabriquer et qui voyaient les civils avec la chasse se faire des petits dollars. Mais mec, il faut qu'on se fasse des dollars si tu veux qu'après, quand tu vas faire tes ragoûts, qu'on vienne les acheter. Si on n'en fait pas... Là, le problème, maintenant, ce qui va se passer, c'est que la marche est tellement grosse que c'est mort. On va pas le dépenser, notre argent, parce qu'on sait qu'on va plus le gagner. Mais on en gagnerait toujours autant qu'il y a deux jours. Mais là, les ragoûts, ils en sortent. On serait les premiers à aller les acheter. On aurait été les premiers clients. Mais là, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on nous a critiqués parce que oui, mais regardez, les civils, ils gagnent trop. Ben voilà. Bon, ben comme ça, ben maintenant, tu vas avoir plein de ragoûts. Hein, et puis, tu vas pouvoir les foutre. Et puis, tu t'en serviras de clients. Ou j'en sais pas ce que tu en feras de tes ragoûts. Tu les collectionneras parce que ben là, c'est fini. Mais c'est toujours en train de regarder l'autre. Mais ils n'ont pas compris. En fait, je crois que le grand problème de ce pays, c'est que trop d'expatriés sont arrivés d'un autre pays qui ressemblait énormément à celui-là et n'ont pas changé, n'ont pas réfléchi, ne se sont pas endormis dans le bateau. Ils reviennent exactement comme ils étaient. En avoir rien à foutre, que le civil ne sert à rien. Ils font leur petite vie. Et puis voilà. De toute façon, il y en a déjà plein que je n'ai pas compris. Ils sont dans le pays, ils n'ont pas vieilli. Bref. Ah oui, non, ça moi, pas avoir compris. Ouais. Non plus. J'ai même pas l'impression de retrouver des villes avec les mêmes personnes. Et ils sont exactement pareils. Voilà. Et parce que pourquoi? Parce qu'ils vont repartir dans la même logique. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'un saloon, je sais très bien comment il va réfléchir. Je peux vous le dire tout de suite. Il en a rien à foutre du civil qui va venir aller acheter le ragoût. Là, lui, la seule chose qu'il va attendre, c'est les commandes des shérifs et tout ce qui va avec, des entreprises. Et c'est ce qui les fera vivre. Eh
et l'export, parce qu'après, vous inquiétez pas, les saloons vont demander d'export, hein, ça va arriver. Hein, là, c'est là, juste, on est sur la première étape. Là, maintenant, ils vont trop produire, ils vont rien vendre parce que personne va rien acheter. Et maintenant, ils vont demander de l'export. Donc, au début, ils se plaignaient parce qu'ils produisaient pas assez et maintenant, ils vont trop produire, ils vont demander de l'export. Non, mais c'est certain, je mets ma main à couper. Vous allez voir, allez, la semaine prochaine, on y est dedans. Ah, bah, bon, d'accord. De toute façon, il va y avoir encore changement hein, d'ici là. Donc, les saloons auront leur export, tout le monde aura leur export, et le civil ne servira plus à rien, comme d'habitude. Bah, si, nous, servir à figuration. Et ça, je peux. Là, j'en suis certain que dans une semaine, les saloons vont se plaindre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On a trop de ragoûts, on sait pas quoi en faire, personne nous les achète. Ben ouais, mais on vous a tout donné pour que vous en fassiez des tonnes. Ben faites-en maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez les faire. Oh, bah, moi, pensais que peut-être la question est déjà sortie à gouvernement. Hein, oui, non, mais c'est bien possible. C'est bien possible. Et comme ça, ben, ils s'en foutront, ils auront besoin de personne. Voilà. Comme ça, hein, de toute façon. On verra bien là où ça nous mène. Bah oui, bah écoutez, moi j'essaye de positiver un maximum, mais là, j'espère que ça va bouger. Là, c'est. J'ai peur, hein, là, vraiment, parce que je vois au fur et à mesure, et tellement, ça va tellement vite. Parce que ce que je me dis, c'est que ça fait que 9 jours, je crois. Hein. Ouais, c'est à peu près, oui. Waouh. À savoir fait une semaine, vendredi ou samedi, je sais plus. 9 jours. Et les gens, ils ont déjà des chevaux incroyables et tout. J'ai vu ça, incroyable. C'est fou. C'est. Ah bah, si au bout de 9 jours, il déjà y avoir tout ça. Ouais. Pas imaginer au bout de 15 jours. Il va tout y avoir maison. Ah, mais ils vont tout. Non, mais tout va être. Non, mais ça y est, de toute façon, ça va être. On repart, hein. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'on repart dans ce qu'on a connu qui a tout détruit, quoi. Ouais, au final, pas avoir servi à grand-chose de faire nouvelle vie. Et pour... Puisque repartir sur la même base. Ouais, oui, et pourtant, j'ai trouvé tellement belle, cette nouvelle vie. Bah, ouais, moi aussi. Avoir de grands espoirs, mais grands espoirs, être parti très vite. Oui. Bah écoutez, je vais aller faire une petite sieste et puis je vais en même temps aussi, je pense que je vais faire un... peut-être pas, je vais peut-être attendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais aller voir un peu quand même faire le tour. Bon courage. Et puis, une fois que j'aurai fait le tour, je ferai, je pense, une belle lettre au gouvernement pour donner mon impression de ma journée. Et puis... De votre soirée, oui. Oui. Et leur proposer des solutions possibles. Et leur dire aussi ce que je pense qui arrivera dans le futur, voir si je me trompe ou pas. Bah, le problème, c'est que moi, bien vouloir faire pareil, mais pas envie de parler dans le vide, ça va être le problème. Oui, bon, enfin, moi, j'ai pas parlé dans le vide pendant 107 ans non plus, hein, ça va être vite réglé. Hein. Ah, non, on va être d'accord avec vous. Hein, là, c'est pour ça, moi, patienter un petit peu jusqu'à un certain niveau. Mais. Là, moi, c'est pareil, faire petit tour, voir à droite, à gauche, mais penser faire bientôt petite sieste aussi. Oui. Et puis, on verra bien ce soir. Ah oui, bah là, ce soir, là, j'ai intérêt à revendre ma viande et mes plantes, hein, je vous le dis. Alors là... Ah bah, vous avoir les poches bien pleines avec l'argent, hein, 0,02... Oui. Non, mais je suis sûr que je les vendrai pas, en plus, j'en suis certain. Il n'y a pas grande chance. Oui, non, mais j'en suis certain. C'est même pas, être une histoire de prix, ça va être une histoire qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais, bah la viande, là, franchement, je vois pas qui. Voilà. Il y a moins de 24 heures, ils chialaient tous parce qu'ils avaient rien. Ouais. Et en 24 heures, ils vont avoir trop. Ah ouais, non, là, il est trop vite. Parce que nous, pouvoir acheter... bah non, même pas, parce que être propriétaire entreprise pour avoir entrepôt. Oui. Parce que acheter entrepôt pour pouvoir stocker viande et petites plantes, ouais, bah, ça va être pareil. Ouais, si bon. Personne n'achetait, rien sert. Bah oui, si, d'attendre le premier qui va poser une affiche pour dire qu'il en a besoin, et c'est le premier qui est dans le pays qui va sortir son entrepôt, tout le truc, qui va sortir 4 tonnes de chaque truc. Enfin,
Enfin, si c'est pour être, si c'est pour, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si on vient ici pour se battre, pour qui est arrivé le premier, qui sera le premier, arrivé, premier servi, j'ai autre chose à foutre. Hein. Ah oui, donc bien sûr. Un moment, c'est pas possible. Ça va être à celui qui se réveillera le premier. Eh oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Pas venir ici pour être aux aguets de... Ah oui, non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Bon. Bah, moi, je vais vous laisser avec, avec votre ami. Oui, 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 bah écoutez, oui, peut-être que lui, j'arriverai à en faire quelque chose, j'en sais rien. Ouais, bah, être animal de compagnie, maintenant. Mm-mm. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et puis en espérant se retrouver dans de meilleures conditions, avec un peu plus de sourire et un peu plus de projection dans un futur, ça serait bien. Mais... On va peut-être nous croiser de toute façon dans la soirée. Et puis, Avec plaisir, monsieur. Et puis je viendrai aux nouvelles si vous avez fait une petite lettre. Ou, Oui. Oh, bah, de toute façon, je vais en parler. Hein. Là, je suis pas quelqu'un qui va rester comme ça, j'en parle, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. Ah bah, Mais bon, moi quand je râle, c'est pour trouver des solutions. C'est pas juste pour pointer du doigt quelqu'un et chialer. Bah, moi bien aimé aussi aider à chercher solution, mais quand y avoir un retour, se parler tout seul, faut être marrant. Bon. Allez, on va vous laisser avec Ami ouais. Et vous dire peut-être à ce soir si vous. Avec plaisir, bonne journée à vous. Merci également. Bon chat, nous on va s'arrêter là, 11h40, on est bien. Good morning, mister. Je souhaite à tous de passer un très bon appétit, je souhaite à tous un très bon appétit, de passer une très bonne journée. Nous on se retrouvera sur Twitch, mais peut-être un peu plus tard, parce que j'ai un rendez-vous en début d'après-midi. Et puis on va revoir un peu, là, parce que là c'est vrai que putain, mais en fait là, ce que je pensais hier, ce que je redoutais hier, c'est ce qui arrive réellement aujourd'hui, quoi, en fait. C'est que là... tout le monde est allé cueillir, tout le monde est allé chasser, donc en fait, les plantes ne servent plus à rien, les pierres ne servent plus à rien, la viande ne sert plus à rien. Là, on est dans une impasse totale. Bref. Bon après-midi à tous, bon appétit, prenez soin de vous et de vos proches. Bref, on se tient au jus, on se retrouve sur Twitch cet après-midi et puis demain sur YouTube. On fait comme ça ? Allez, ciao ciao. Step into the place inside your mind. Let yourself fall before you get behind. When your heart's been frozen, your dreams are stolen. Now we are so finally come.